Je m'appelle Ethan, j'ai 18 ans et je suis actuellement en première année de licence information communication à l'Université catholique de l'Ouest de Brest. Salut! Salut Ethan! Salut. Tiens, attends, on est juste devant toi. Voilà, stop. Ça va? Au milieu du cercle. Ouais. Ça va et toi? Ça va. Non, j'ai anglais. Non, ça va. La langue que tu... J'ai pas envie. J'ai pas... Vous avez quoi, vous? Là, nous, on a rien, on est en pause. On est en pause. Ouais. Mais après, on a réunion des... Ah, il y en a qui bossent et il y en a qui sont d'accord. Super. Alors. Non, je suis jamais sérieux pour l'anglais. Ah oui, j'ai des devoirs en anglais. En K204. K204. Je t'emmène? Oh, tu sais quoi, oui. Je veux bien. Allez, on y va, les filles. Je crois que j'ai jamais vu un garçon avec autant d'humour, autant d'autodérision. À chaque fois qu'on le croise, il y a toujours une petite vanne. Poussez-vous, il y a l'aveugle qui passe. Ethan, forcément, je pense qu'il nous apporte à tous un petit peu. On veut être professeur des écoles et forcément, en étant en lien avec lui aujourd'hui, peut-être qu'on sera meilleur professeur des écoles, on pourra s'adapter à un public qui est en pleine inclusion dans une classe ordinaire, donc c'est vachement enrichissant. Bah ici à l'ICO, je me sens bien, je suis assez intégré, j'ai des camarades de classe qui m'aident au quotidien. Et je les en remercie parce que ça m'a permis de m'intégrer, ça m'a permis de me sentir intégré aussi. L'avantage de l'UCO, c'est que j'ai des petites promos que tu peux interpeller le professeur pour demander de revenir sur quelque chose vite fait avant de repasser à la suite. Ce qui n'est pas possible dans une université basique, classique, de 1000 étudiants. Les profs ont dû réadapter leurs cours, les mettre dans un autre format. Moi, je les lis en braille sur mon ordinateur, qui est un PC basique relié à un écran, un clavier, si je peux dire ça comme ça, qui s'appelle une plage braille. Et donc sur cette plage braille, je peux lire tout ce qui apparaît à l'écran et écrire ce qui apparaîtra à l'écran. Vous pouvez rouvrir le document qu'on avait démarré ce matin. Le principal avantage qu'on a, c'est nos petits effectifs, c'est le fait d'avoir un suivi qui n'est pas individualisé, mais presque. C'est vrai, quand on se retrouve en cours avec des petits groupes comme ça, on a moyen aussi d'adapter le cours et d'essayer au maximum de pouvoir l'accompagner. Et je pense que pour avoir eu l'occasion d'échanger avec lui là-dessus, la partie audio en particulier l'intéresse beaucoup. Et c'est vrai qu'on sait que généralement, les personnes malvoyants ou non-voyants sont très sensibilisés à la partie sonore, et donc je pense que de ce côté-là, il a de quoi explorer pas mal de choses. Insérer un saut de page ou insérer un saut de section continue. J'ai beaucoup de rêves, puis je considère qu'il faut en avoir beaucoup, il n'y en a pas qu'un. Je suis fan de foot depuis tout petit, et déjà quand j'avais 7-8 ans, je m'amusais à commenter ce que j'entendais à la radio, les multiplex Ligue 1 à l'époque où c'était encore à 20h. J'ai ouvert une chaîne YouTube en janvier 2019, ce qui m'a permis de continuer toutes les semaines cette passion. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour un nouveau live pour la rencontre PSG Monaco. Je rappelle que le sondage est toujours prêt, si jamais vous voulez voter, il restera jusqu'au premier but. Voilà, on est parti. Allez, ballon pour Ousmane Dembélé qui va donner maintenant en direction de Lucas Hernandez côté gauche. Hernandez toujours côté gauche. Ballon pour Mbappé. Mbappé, le centre d'Mbappé s'est repoussé par la défense monégasque et le ballon va être récupéré à l'entrée de la surface de réparation. C'est pour Hernandez. Hernandez pour Mukiele qui va donner sur Ousmane Dembélé. Dembélé côté droit maintenant. Dembélé, il va réussir à passer. Frappe enroulée de Dembélé, s'est repoussé par Kun. Et Gonzalo, oui. Ouais, Gonzalo Ramos, enfin il met son but. Ne sous-estimez jamais Gonzalo Ramos. Magnifique. Le but signé Gonzalo Ramos qui vient délivrer le Parc des Princes. Être aveugle, être handicapé tout court même d'ailleurs, n'empêche pas tout. Je serais même tenté de dire, pour aller dans l'extrême, n'empêche rien. Mais bon, il y en a qui n'aimeraient pas, il y en a qui diront que c'est pas bien, que je suis borné, donc on va pas dire ça, mais je le dis quand même, pour moi, être aveugle n'empêche rien tant qu'on y met les moyens.